on débute bien le match, après on prend un carton rouge assez tôt dans le match. Voilà, ce qui nous fait un peu défaut pour la suite du match, parce que je pense qu'à 11 contre 11, ça aurait pas été le même match. Je pense qu'on était bien en place. On avait travaillé pour les mettre en danger en passant sur les côtés. Voilà, il y avait de l'espace. Après, c'est vrai qu'à 10 contre 11, c'est moins évident. On a reculé, on a un peu subi, mais sur l'ensemble du match, on a bien défendu. Voilà, on aurait pu, je pense, si on était un peu plus lucide, égaliser. Mais bon, c'était un match quand même assez difficile à 10 contre 11. Ils ont bien joué. Voilà, mais bon, on a fait un bon match dans l'ensemble, même à 10 contre 11, c'était bien. Je pense que le sentiment qui prédomine après le match, c'est la frustration. Parce que je pense qu'on était bien rentré dans le match. Malheureusement, on prend ce carton qui en fait, nous, tous les plans qu'on a pu faire avant le match et tout ce qu'on avait mis en place, bah, s'envole. Parce que forcément, voilà, on est à 10 contre 11, donc c'est beaucoup plus compliqué après. Et on a vu que malgré tout, on a quand même réussi à se créer des occasions, des situations. On a quand même essayé de mettre notre jeu en place. Mais à 10, c'est plus compliqué. Donc voilà, je pense que c'est la frustration qui domine. Ça nous a beaucoup pesé au cours du match. Je pense qu'à 11, le match peut être différent. Après, c'est vrai que dans le jeu, même à 10, on leur a posé des problèmes. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut s'appuyer pour le match de vendredi. Dans le jeu, on a réussi à leur poser des problèmes et c'est ça qui était bien par rapport au match. Après, bon, je prends le deuxième but, c'est, voilà, comme le coach l'a dit, c'est anecdotique. Donc voilà, je pense que voilà, ce match, on va vite passer vite à vendredi. Bah, de relever la tête, que voilà, il y a un match très important qui arrive vendredi, là on va enchaîner les matchs, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien pour voilà, pour essayer d'oublier cette défaite. Donc voilà, à nous de relever la tête et de montrer un visage conquérant chez nous.